Jeunes gens, nous allons continuer, poursuivre notre étude du merveilleux livre de la sagesse divine, le livre de Proverbes, au chapitre 8, le chapitre de ce jour. Nous rendons grâce à Dieu de ce que Dieu a rendu disponible ce grand jour de l'an de grâce 2021, plus précisément le dimanche, le 21 novembre de l'an de grâce 2021. C'est une joie de partager la parole de Dieu, de l'approfondir, et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu nous donne, d'approfondir les révélations qui sont contenues dans ces passages, dans ces livres. Nous avons commencé il y a une semaine l'étude approfondie, chapitre après chapitre, verset après verset de ce merveilleux livre de Proverbes, le livre de la sagesse divine. J'ai du mal à croire que nous avons déjà fait une semaine, que le temps passe vite, mes frères, mes sœurs, jeunes, que le temps passe vite. C'est pour ça que la Bible dit « rachetez le temps ». Je disais à quelques-uns parmi vous, il y a quelques jours, que quand on est jeune, on pense qu'on a la vie devant soi, on a toute la vie. Le temps passe tellement vite. Je ne pouvais pas savoir que j'atteindrais aussi vite la cinquantaine d'années. Par la grâce de Dieu, je vais atteindre 53 ans dans quelques jours et c'est incroyable. Hier, j'avais 15 ans. Je ne sais pas comment ces années sont passées. Je me demande comment j'ai pu avoir une femme et ses enfants qui sont déjà grands. Je me demande comment cela s'est passé. C'est encore un rappel de que le temps passe, que le temps vole. C'est pour ça que la Bible dit « rachetez le temps ». C'est incroyable de savoir que hier, je jouais à la cour sous la pluie avec les enfants du quartier. Je me demande comment ce temps est passé. Jeunes gens, ne vous trompez pas, ne pensez pas que vous avez une éternité devant vous. Ne pensez pas que 50 ans pour vous, c'est dans 1000 ans ou 10 000 ans. C'est la pensée que nous avions quand mon épouse et moi, nous étions comme vous. Et d'ailleurs, c'est les mêmes choses qu'elle me partage. On se demande comment le temps est si vite passé. Hier, on était à l'école primaire. On jouait avec les enfants au quartier. On s'amusait à la cour. On allait à la rivière se laver, on allait en brousse s'amuser. Et voilà, tout à coup, nous voilà traversant la première moitié de notre vie sur terre par la grâce de Dieu. Donc, jeunes gens, ne pensez pas que vous êtes éternels. Les enfants ont cette prétention de penser que tout le monde entier leur appartient, qu'ils seront éternels. Ne vous y trompez pas, nous sommes passés par là. J'étais à une époque de ma vie où je pensais que atteindre 50 ans, c'était pour moi comme dans 10 000 ans. C'était impossible. Le temps est passé. C'est passé comme un songe, comme un rêve. Et tout sur cette terre est tellement passager. Tout sur cette terre est éphémère. Ça passe vite, plus qu'on ne le pense. Et il y a une chose que j'ai remarquée. Je me demande si le temps que nous avons aujourd'hui est le même temps qu'on était enfant. J'ai comme l'impression que la montre de Dieu s'accélère. Parce que 24 heures, quand j'étais adolescent à l'école primaire, c'était comme une éternité. Une nuit, quand on allait au lit à 21 heures par là, pour que 4 heures du matin arrive, c'était comme si vous avez fait une semaine après de dormir. Mais aujourd'hui, aussitôt que tu vas au lit, même si c'est 19 heures où tu es allé au lit, aussitôt que tu as fermé les yeux, voilà, c'est les lueurs du matin. Aussitôt. Je ne sais pas, jeunes gens, si c'est la même sensation que vous avez. Mais il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Et nous ne sommes pas les seuls à remarquer cela. Il y a même des collègues de travail qui ont remarqué cela et qui ne sont même pas chrétiens, qui n'ont rien à faire avec Dieu. Ils ont remarqué qu'il y a quelque chose de bizarre. Le temps aujourd'hui passe tellement vite. Tellement vite. Et vous, mes enfants, qui suivez également cet enseignement,
Hier, vous étiez bébé. Hein? Je voyais le nez ramper. Et on voyait encore les vidéos, il y a quelques jours, les vidéos de comment il était petit. On se demande, mais comment il a pu atteindre l'âge qu'il a aujourd'hui? Comment il a pu devenir, aussi grand comme il est aujourd'hui? Le temps est passé tellement vite. Alors, je voulais vraiment commencer par cela. Ce n'est même pas moi qui ai prévu commencer par cette petite introduction. Je pense que c'est Dieu qui a mis dans mon cœur de rappeler l'urgence du temps. Je pense que 24 heures, il y a 10 ans, 20 ans n'est plus 24 heures il y a aujourd'hui. Je suis persuadé. 24 heures, une journée de 24 heures, il y a 30 ans, il y a 40 ans, ce n'est plus la même chose aujourd'hui, je suis persuadé. Je pense que vous, jeunes gens, vous remarquez cela aussi. Vous commencez votre journée, vous vous levez, et à peine vous avez commencé votre journée à 8 heures, votre journée d'études, d'école, 17 heures arrive, vous ne savez pas quand est-ce que 17 heures est arrivé. Et voilà le temps. Je pense que c'est général. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est particulier aux aînés. Je pense que c'est quelque chose qui est général. Et après cet enseignement, si vous le pensez aussi, jeunes gens, dites-le-moi à la fin de cet enseignement et à l'enseignement de demain, je vais donner publiquement votre position, si vous pensez également cela. Mais je pense que les jeunes doivent aussi penser cela. Est-ce que quelqu'un peut acquiescer ou lever la main s'il pense la même chose que le temps est en train de passer? Il y a deux mains qui sont levées. Voilà, il y a une troisième main qui s'est levée. Donc voilà, il y a les jeunes gens dont je n'ai pas tant de demain. Incroyable, ça me fait peur. Ça me fait peur, pas peur dans le sens que je suis terrifié. Ça me fait peur de savoir que même les jeunes se sont rendus compte que le temps passe vite. Et vous qui avez levé les mains, je vous dis une chose. On avait l'impression que la journée était éternelle. On avait l'impression. Et ça me choque. J'ai la chair de poule de savoir que vous avez aussi remarqué cela. Je n'ai jamais discuté cela avec vous. Et ça me choque de savoir que vous avez aussi remarqué que le temps passe tellement vite. Mais c'est effrayant. Pourquoi je dis que c'est effrayant? Pour les gens qui disent qu'ils vont attendre recevoir Jésus-Christ plus tard. Voilà pourquoi c'est effrayant. Voilà pourquoi je dis que j'ai peur. Pour les gens qui disent que je vais attendre recevoir Jésus-Christ quand je serai grand, Jésus peut revenir. Et les trois mains qui sont levées, vraiment, je ne m'attendais pas à ce que la main d'un jeune homme ou d'une jeune sœur se lève. Je ne m'attendais pas à cela. C'est effrayant. Et jeune, que ce soit vous qui écouterez cet enseignement par la suite, je vous assure, c'est tellement grave que même les enfants réalisent que le temps passe tellement vite. Le temps passe tellement vite. Quand on était enfant, c'était une éternité. L'année scolaire avait trois trimestres, je crois, si je me rappelle bien, ça avait trois trimestres l'année scolaire. Mais ou deux trimestres, il y avait premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, si je me rappelle bien. Alors, trois mois, c'était une éternité. Une année scolaire, c'était une éternité. On était même fatigué. Mais aujourd'hui, trois mois, c'est comme c'était trois semaines. Hier, on passait en 2021. Hier. Et nous voici, nous passons en 2022. Voilà la vitesse à laquelle le temps est en train de passer. Et avec vous qui avez levé les mains, vous ne savez vraiment pas ce que vous avez produit dans ma tête. Ça veut dire que même les enfants, même vous remarquez cela, ça veut dire que le temps passe. Et je comprends ce verset qui dit dans la Bible, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Donc c'était une petite introduction, et je rends grâce à Dieu de ce que nous avons introduit de cette manière. Alors, le chapitre du jour, Proverbe chapitre 8, et pour ceux qui peut-être prendront cette série en cours, c'est une série que nous avons commencé une semaine, jour pour jour, pendant un mois, nous allons utiliser un chapitre du livre de Proverbes qui, curieusement, a 31 chapitres et un mois à 31 jours. Il y a des mois qui ont 31 jours. Donc, nous allons étudier pendant 31 jours, donc la durée d'un mois,
un chapitre, et nous avons commencé il y a une semaine, disais-je, et nous sommes au chapitre 8 aujourd'hui. Et ma prière, comme je l'ai toujours dit, c'est que ces préceptes, ces commandements de Dieu, ces enseignements, cette sagesse, cette intelligence contenue dans ce livre de la sagesse divine, le livre de Proverbes, vous transforme, jeunes gens. Je suis déjà content d'une chose, c'est que vous avez réalisé que le temps passe très vite. Je ne savais pas, je reviens encore sur cela, je suis choqué parce que même les enfants ont remarqué cela. Comment peuvent-ils remarquer qu'ils sont des enfants? Nous, moi, on peut remarquer parce que moi, j'ai vécu il y a 40 ans, j'avais 13 ans. Il y a 40 ans, j'avais 13 ans. Et en ayant 13 ans, même en ayant 20 ans, j'avais l'impression qu'il y avait une éternité devant moi. En ayant 13 ans, je me disais qu'avoir 50 ans, ça devait être même comme dans 10 000 ans. Voilà l'impression que j'avais. Et ce n'est plus la même impression que vous avez aujourd'hui. Alors, ma prière, c'est que ces chapitres que nous sommes en train de voir dans ce livre, la sagesse divine, le livre de Proverbes, vous guide toute votre vie. Vous change, vous transforme, met en vous la crainte de Dieu, met en vous le désir de plaire à Dieu, met en vous la haine du péché, met en vous l'amour pour la parole de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour pour Jésus-Christ. Et afin que, avant de poser un acte, la première question que vous devez vous poser dans votre intelligence, est-ce que l'acte que je vais poser va plaire à mon Dieu? Est-ce que l'acte que je vais poser va plaire au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que l'acte que je vais poser va plaire à mes parents? Voilà comment jeune homme, jeune femme, ces enseignements doivent vous guider, vous transformer, vous changer, vous amener à être délivré du péché, de l'amour du monde, du mensonge, de la débauche sexuelle et de tout ce qui peut entraîner les jeunes, telles que les passions des jeux vidéo, les passions des choses mondaines, les passions des choses luxueuses, afin que vous viviez dans la modestie, dans la simplicité, afin que votre cœur se détourne de tout ce qui est mauvais. Voilà donc la prière que j'ai dans le cœur et mon grand vœu pour vous jeunes, que ce soit vous qui écoutez cet enseignement ce soir, que ce soit tous ceux qui vont l'écouter plus tard de par le monde. Alors nous allons commencer par le premier verset, Proverbes chapitre 8, le chapitre du jour, verset 1. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? Voilà, la sagesse fait quoi? Elle crie! Elle crie! L'intelligence fait quoi? N'élève-t-elle pas la voix? Il y a des gens qui disent, genre, tu cries trop. Tu cries trop, tu passes le temps à crier, tu cries lors des émissions. Il y a une bien-aimée sœur française qui avait un peu des problèmes avec ma voix rouperchée. Elle me dit, genre, j'aime bien tes enseignements, mais tu cries. Et je pense que j'avais répondu à plusieurs reprises en disant que Dieu avait demandé au prophète, à son serviteur, le prophète Esaïe, de crier à plein gosier de le point de terre. Quand Dieu dit à quelqu'un de crier à plein gosier, ça veut dire que si ce n'est pas la grâce de Dieu, les cordes vocales vont exploser, n'est-ce pas? Les cordes vocales vont exploser. Et nous avons aussi le Seigneur Jésus-Christ qui, en Jean chapitre 7, le grand jour de la fête, s'était levé et s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, il s'écria. Et il a d'ailleurs dit de Jésus qu'est-ce qu'il enseignait avec autorité, non pas comme les scribes. Il enseignait avec autorité. Et c'est pour cela qu'en passant, il est interdit à la femme d'enseigner. Parce qu'on a vu hier un des caractères. Et vous avez vu plusieurs caractères de la femme, étrangère prostituée, la femme débauchée. On a vu plusieurs caractères en Proverbes chapitre 7, à partir du verset 10, on a vu qu'elle avait une mise de prostituée. Voilà la caractéristique des femmes débauchées, des femmes prostituées étrangères. Elle a la ruse dans le cœur. Elle est bruyante et rétive. Quand vous voyez ces femmes-là sur Facebook ou YouTube en train d'enseigner la parole des gens, en train de crier, voilà, elles sont plutôt prostituées aux yeux de Dieu. Donc, c'est l'homme qui doit crier. Il n'est pas bienséant à la femme de crier. Je me rappelle ma mère. Pourtant, elle n'était pas chrétienne. Elle ne connaissait pas Dieu. Elle était animiste. Mais il y a une chose qui m'a marqué avec ma mère, celle qui m'a engendré. On ne l'avait jamais entendu élever la voix.
Son pitch vocal était constant, monotone. Elle avait une voix tellement douce, une voix tellement douce. Je ne me rappelle pas un jour. Ma mère, elle aimait la voix. Elle avait une voix tellement posée, une voix douce. Et malheureusement, il y avait au moins deux de nos sœurs qui étaient l'extrême opposé, qui avaient plutôt pris mon père. Elle était l'extrême opposé. Et quand elles élevaient la voix pour crier, ma mère, j'entendais ma mère leur dire, une femme ne crie pas comme ça, ne parle pas comme ça. Une femme parle doucement. Elle ne crie pas. Elle n'élève pas la voix. Elle parle doucement, doucement. Voilà ce que je me rappelle. Et si quelques membres de ma famille suivaient cet enseignement, plus tard ils vont confirmer, ils vont dire « Georges a raison ». C'est comme ça, elle avait une voix douce. Il y avait certaines qui avaient plutôt une voix haut-perchée, une voix belliqueuse, une voix de querelle. Mais je rends grâce à Dieu de ce que il y a quand même une qui a changé de comportement. Elle m'en voulait si c'était ton nom, mais elle est du côté de Yaoundé. Elle suit ses enseignements, c'est tout ce qu'elle peut dire. Elle a beaucoup changé, elle a été transformée. Et la transformation d'une femme doit passer par le fait qu'elle est soumise à son mari. Elle ne lève pas la voix devant son mari. Elle est respectueuse. Et donc voilà pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse en disant que la femme ne doit pas enseigner parce qu'il est un enseignant doit être amené de fois à crier, pas tout le temps, doit être amené à crier. Alors, nous voyons donc que la sagesse ne crie-t-elle pas au verset 1? L'intelligence ne lève-t-elle pas la voix? Et quelque chose qui est tellement visible, tellement évident dans ce livre de Proverbes, c'est que Dieu se répète encore et encore et encore et encore. La caractéristique du livre de Proverbes, c'est que Dieu se répète encore et encore et encore et encore. Et il n'y a pas meilleure manière d'enseigner les jeunes, parce que ce livre est destiné principalement aux jeunes. C'est vrai que les aînés, les parents, les mamans, les papas, les aînés peuvent aussi tirer des instructions. Il y a beaucoup d'instructions pour tous les chrétiens, mais ce livre, le cœur de Dieu en écrivant ce livre, c'est peut-être pour amener les jeunes gens à vivre la crainte de Dieu, à vivre dans la sagesse, dans la réflexion, le discernement, l'intelligence, à vivre dans la droiture, la crainte de Dieu, l'intégrité, l'honnêteté. C'est le but de ce livre. Et une des manières d'enseigner les jeunes gens, c'est de répéter encore et encore et encore et encore les mêmes choses. Répéter les mêmes choses. Parents, ne vous fatiguez pas de répéter encore et encore les mêmes choses à vos enfants. Alors, nous voyons au verset 1, ceci, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence de Dieu lève-t-elle pas la voix? C'est exactement ce que nous avons vu en Proverbes chapitre 1, versets 20 et 21. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a vu en Proverbes chapitre 1, chapitre 1, versets 20 à 21? La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Elle crie, parce que dans les lieux bruyants, il faut que votre voix dépasse le tintamarre. Imaginez que vous entrez dans une boîte de nuit et vous voulez enseigner la parole de Dieu. Il faut vraiment que Dieu vous donne une voix ou que vous ayez un appareil qui est plus que celui des baffles, des mégas ou des gigawatts qui sont prêts à exploser, à faire exploser la boîte de nuit. Donc, voilà, la sagesse, elle crie. Donc, voilà la répétition. Et si Dieu répète, et chaque fois que vous voyez quelque chose venir plusieurs fois dans la Bible, c'est que c'est important. Donc, l'une des caractéristiques de ce livre, c'est que Dieu se répète encore et encore et encore pour que ces choses soient martelées, incrustées dans l'intelligence des jeunes. Verset 2, c'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Verset 3, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris.
Comment je comprends ces deux versets, les versets 2 et 3, c'est que la parole de Dieu, la sagesse de Dieu doit être proclamée à tout endroit, sur les hauteurs, près de la route, à la croisée des chemins, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes. Donc la sagesse doit être proclamée partout. C'est pour cela que Dieu, par son Saint-Esprit, instruisant le jeune Timothée par l'entremise de son frère dans la foi, Paul, qu'est-ce que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par Dieu, dit à Timothée? Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Jeune homme, si tu as l'occasion de parler la parole autour de toi, à un camarade de classe, à un jeune collègue, n'importe quel collègue, pas seulement les jeunes, si tu as l'occasion, parle la parole de Dieu. N'aie pas peur de parler la parole de Dieu. Sois audacieux, sois vaillant pour la vérité. Vaillant pour la vérité, sois bold en anglais, ça signifie sois courageux. Ne sois pas timide. Ce n'est pas l'esprit de timidité ou de paresse que Dieu nous a donné. Jeune homme, n'aie pas honte de parler la parole de Dieu. Voilà, la Bible dit que la sagesse crie. Dans tous les endroits, elle crie. Nous devons avoir cette audace, ce courage, cette détermination de prêcher la parole de Dieu. En anglais, on dit boldness. We have to be bold for the word of God. On doit être vraiment courageux. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur. Dieu a besoin des gens qui font déclarer la sagesse. Il faut des cordes vocales pour que la sagesse crie, n'est-ce pas? Il faut des cordes vocales, il faut des bouches. La femme ne pouvant pas enseigner, ne pouvant pas évangéliser, alors il revient aux jeunes hommes de savoir que c'est à eux que revient le rôle de crier sur les places, sur les carrefours, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Crions! Je disais hier qu'il n'est pas bien séant pour un jeune d'avoir un compte ou d'aller sur les réseaux sociaux. Mais si vous êtes dans le ministère d'évangélisation, ça veut dire que vous êtes sage, ça veut dire que vous ne serez pas emporté par les pièges des réseaux sociaux. Dieu va plutôt vous utiliser. Mais si vous savez que vous n'êtes pas fermé dans la foi, si vous savez que vous ne servez pas Dieu, fermez-moi cette bêtise, fermez-moi ce compte, fermez-moi cette chaîne, etc. Donc voilà. Verset 4. Homme, c'est à vous que je crie et ma voix s'adresse au fils de l'homme. Regarde, la sagesse s'adresse à eux. Elle dit, voilà, c'est à vous que je crie. La sagesse a besoin de crier à la race humaine que vous et moi nous formons. Les hommes sont tellement devenus stupides. Les hommes ont perdu leur sens. Les hommes sont tellement devenus insensés. Ils aiment le mal. Ils sont ennemis des gens de bien. Ils sont ennemis de bien. Ils aiment le mal. Alors la sagesse dit ceci. Et dites-vous que, comprenez que Salomon recevait ses révélations il y a plusieurs milliers d'années. Donc le monde aujourd'hui est 1 milliard de fois pire que celui de Sodome et Gomorrhe. 1 milliard de fois pire que celui au temps de Salomon. Notre génération est pire que les gens au temps de Noé, au temps de Jonas, à Ninive. Notre génération est devenue plus rebelle. Le bon sens a disparu de la terre. Alors, la sagesse dit ceci, elle continue à parler. Homme, c'est à vous que je crie. Et quand on parle de sagesse, nous voyons Dieu. Parce que la sagesse, c'est Dieu qui est de la sagesse. Et il y a une chose que nous allons voir dans ce chapitre en passant. J'aurais déjà dû annoncer cela au début. Ceux qui aiment la géographie seront tellement satisfaits dans ce chapitre parce qu'on va voir quelques éléments de comment ce monde a été créé. Et ceux qui font la géographie seront tellement contents. Et c'est un exposé de géographie que je vais vous faire, la géographie céleste. Et je vous disais, jeunes gens, et je suis déjà tellement impatient d'enseigner cela, mais commençons d'abord à voir les versets qui sont avant. Mais nous allons voir la géographie céleste. Et vous allez voir que les grands de ce monde qui ont été rendus célèbres par leur découverte, ça confirme la parole de Dieu. Ça confirme tout simplement
Ça confirme la parole de Dieu. Donc voilà. Alors, verset 4, « Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. » Et là, Dieu s'adresse à tout le monde. Dieu s'adresse à tout le monde. Apprenez. Regardez, Dieu appelle stupide. Et si moi, Georges, je disais stupide, lors de l'enseignement, on va dire, non, Georges, tu exagères, tu insultes. Non. Quand il s'agit de parler la parole de Dieu, on ne lésine pas. Quand Jean-Baptiste criait, il a dit de Jean-Baptiste que c'était la voix de celui qui faisait quoi? Qui criait, voilà, le mot crier vient encore. Et qu'est-ce qu'il disait? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et Jésus-Christ parlait aussi comme cela durement. Aujourd'hui, la théologie diabolique, et c'est pour ça qu'il a dit que Jésus enseignait avec autorité, non pas comme les scribes. La théologie des scribes, on continue à enseigner dans les séminaires abominables en passant, jeune homme. Ce n'est pas en allant dans un séminaire que tu iras connaître Dieu. La seule université pour connaître Dieu se trouve en Jean chapitre 14, verset 26, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Donc, la théologie enseigne la psychologie, les techniques de séduire les gens, de les convaincre sans les blesser. Quand Jésus prêchait, il blessait, les gens étaient blessés, ils graissaient les dents. Pourquoi on a lapidé Étienne? Allez lire le sermon d'Étienne le jour où il a été lapidé. Allez lire Actes chapitre 7. Vous allez voir comment Étienne, quand il a parlé, les gens se bouchaient les oreilles, ils se graissaient les dents, ils sont bouchés les oreilles, ils sont rués vers lui. Ils l'ont lapidé avec des pierres, Étienne est mort. Quand Jésus enseignait, les gens se graissaient les dents. Or, la théologie psychologique qu'on inculque dans ces académies de mort qu'ils appellent séminaires théologiques, jeune homme, si tu as pour ambition d'aller dans une école théologique, c'est que tu es en train de prendre la voie pour la mort. Si tu as été dans un séminaire théologique, toi qui m'écoutes, jeune gens, jeune homme, pire encore les femmes, même s'y mettent dans les écoles théologiques, déchire cette bêtise, ce diplôme. Renonce à cela et repens-toi. Aucun disciple de Jésus-Christ n'est allé dans un séminaire et qui, pire encore, est payant. Est payant. La théologie vient du mot grec théos logos. C'est-à-dire que l'homme veut vouloir connaître Dieu avec la sagesse humaine. C'est ça la théologie théos logos. Théos en grec signifie Dieu. Logos, c'est la sagesse ou la philosophie. Donc théos logos, c'est la prétention humaine, la bêtise humaine, le culot humain, l'audace de l'homme de vouloir connaître Dieu à travers l'enseignement, à travers l'intelligence du cerveau humain. Nous ne pouvons pas connaître Dieu avec l'intelligence humaine. Dieu se révèle à nous avec son Saint-Esprit qu'il a mis en nous, qu'il a fait habiter en nous. Il se révèle à nous par son Saint-Esprit et nous avons cette connaissance. Je me rappelle étant dans l'abomination de Way International, la voie internationale. Quel certificat, combien de certificats j'ai eu, combien de cours j'ai eu. Mais quand Dieu m'a mis dans le cœur, m'a montré que je n'étais pas chrétien, me voltant dans le péché, faisant des choses abominables, j'ai recommencé à zéro. Je me suis débarrassé de tous les livres que j'avais lus. Je me suis purgé intellectuellement de tout ce que j'avais reçu du Way International pendant plus de 20 ans. Et j'ai recommencé à lire la Bible à zéro. Mes frères et sœurs, jeunes frères, jeunes sœurs, enfants, vous ne savez pas comment Dieu a ouvert mon intelligence. Comment Dieu m'a rempli de sagesse. La sagesse que je n'avais pas. La sagesse que je n'avais pas. Donc voilà ce qu'on doit comprendre. Donc quand on utilise un langage tel que stupide, ce n'est pas qu'on insulte. Quand Dieu te met à cœur de parler, de dénoncer, de dire la vérité, quand Jésus appelle les pharisiens, c'est plus que blanchi. Parlant du roi Hérode, il dit, allez dire à ce renard, race de vipère. C'est un langage franc, mais n'utilisez pas sa tort à travers. Il y a certains chrétiens maintenant qui utilisent sa tort à travers pour injurier, pour insulter. Non. Quand on dénonce le mal, nous devons dénoncer le mal avec les mots justes, les mots que nous inspire le Saint-Esprit. Alors la psychologie
La théologie qui se base sur la psychologie humaine va vous dire non, soyez un peu poli quand vous enseignez, soyez doux. On vous enseigne les techniques, comment baisser la voix, comment augmenter la voix, comment poser la voix, comment séduire. Quand il s'agit de prêcher la parole, il n'y a pas de technique. Quand le Saint-Esprit est en toi, Dieu se saisit ta langue pour prêcher. Ah, si tu vas dans la rue, peut-être c'est le jour là où on va vouloir te lapider. Parce que tu ne réfléchis même pas, tu parles comme Dieu te donne de parler. Donc j'ai ouvert cette parenthèse, regardez comment Dieu dit. Stupide! La sagesse! Qu'est-ce que je parle ici? La sagesse. Je vais vous poser une question, jeunes gens. Comment ça, la sagesse peut sortir un mot d'injure comme stupide? Comment ça, la sagesse? Qu'est-ce que je parle ici? La sagesse! Mais la sagesse dit stupide! Apprenez le discernement. Insensé! Apprenez l'intelligence. Apprenez l'intelligence. Écoutez! Car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Ce qui est droit, jeune homme. Dieu voulait que tu sois droit. Recherche la droiture. Évite la fraude. Évite le mensonge. Évite le vol. Évite les voies détournées. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Verset 6. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Verset 7. Car ma bouche proclame la vérité. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Les lèvres de la sagesse ont en horreur le mensonge. La bouche qui proclame la vérité, la bouche qui lit la Bible, la bouche qui chante les cantiques, comme nous venons de chanter les cantiques tout à l'heure, cette bouche-là ne doit pas mentir. Cette bouche-là ne doit pas insulter. Cette bouche-là ne doit pas vouloir tromper, vouloir faire la fraude. Regardez le verset, c'est la bouche, ma bouche, la bouche de qui? La bouche de la sagesse. Jeune frère, jeune sœur, quand tu deviens chrétien, chrétienne, ça veut dire que Dieu te donne une bouche de la sagesse. Et la bouche de la sagesse fait quoi? La sagesse, la bouche de la sagesse proclame la vérité et les lèvres de la sagesse ont en horreur le mensonge. Ça veut dire que quand tu deviens chrétien, Dieu te donne les lèvres de la sagesse. Verset 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes et n'ont rien de faux. Ni de détourner. Il n'y a rien de faux dans la parole de la sagesse. Il n'y a rien de détourné. Détourné, ça veut dire que, comme on dit en anglais, being sneaky. Sneaky. Prendre les voies détournées. Faire les choses en cachette. Il n'y a pas cela dans la voie de la sagesse. Verset 9. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Verset 10. Préférez mes instructions à l'argent. Et la science a l'or le plus précieux. Qu'est-ce que la société enseigne aux enfants? Si vous posez la question à un enfant, pourquoi vas-tu à l'école? Pourquoi vas-tu à l'école? Pourquoi veux-tu aller à l'université? Pourquoi vas-tu à l'école? Les gens vont demander. Toutes les réponses, je suis sûr, même vous qui écoutez cet enseignement, les gens vont dire c'est pour travailler, avoir de l'argent. C'est pour travailler, avoir de l'argent. Voilà la réponse que tout le monde va donner. Je vais vous dire que, et je vais peut-être vous choquer, à partir d'aujourd'hui, ne pensez pas que vous allez à l'école pour avoir de l'argent. Parce que sans école, vous pouvez avoir de l'argent. Les rappeurs américains qui chantent des choses bizarres, abominables, avec les pantalons qui arrivent au milieu des fesses, sont-ils partis à l'école? Ils ont beaucoup d'argent. Les gens qui braquent les banques sont-ils allés à l'école? Donc, considérons à partir d'aujourd'hui que l'école est notre but. Et la sagesse voudrait que vous reconsidérez le but pour lequel vous allez à l'école. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, si on vous pose la question de savoir pourquoi allez-vous à l'école, la réponse devrait être pour honorer Dieu à travers une profession qui va permettre de servir les êtres humains. Par exemple, s'il devient médecin, ce n'est pas forcément pour devenir riche, c'est pour pouvoir aider les gens autour de moi. Je pars à une campagne d'évangélisation en tant que dentiste et je me rends compte dans le village, les villageois souffrent de la carie dentaire. Et le fait d'aller dans ce village, je soigne gratuitement les villageois qui ont la carie dentaire. Ils seront plus prompts à écouter la parole de Dieu. À supposer que je suis un ingénieur. Et je vais dans une région où ils ont besoin d'énergie solaire, ils sont dans l'obscurité, ou bien ils ont besoin de pompes d'eau. Je commence à donner de l'eau
Et une fois qu'ils ont l'eau, ils commencent à se réjouir. Je leur dis, écoutez, je suis venu vous donner l'eau parce que je suis un grand ingénieur. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné la connaissance de l'ingénierie hydraulique. Je vous ai donné de l'eau à boire, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, je vais vous annoncer une eau qui est plus grande, qui est invisible, mais que vous pouvez avoir. Et si vous buvez cette eau, vous n'aurez plus jamais soif. Est-ce que vous voyez maintenant comment la perception, votre perception, vous qui êtes en train de suivre cet enseignement, va changer? Des gens pensent qu'ils vont à l'école pour avoir de l'argent. Si tu penses que tu vas à l'école pour avoir de l'argent, à partir de cette seconde, j'ai dit stop, ne va plus à l'école. Va suivre les vidéos YouTube pour apprendre comment rapper. Prends une balle de basket, tu commences à taper matin, midi, soir, tu vas commencer, tu fais les jongleries, etc. Tu pourras avoir de l'argent. Donc le but pour lequel tu vas à l'école, ce n'est pas pour avoir l'argent, c'est pour avoir un métier. Et j'aimerais encourager beaucoup de jeunes gens à... Ça dépend de vous, je n'en fais pas un ordre. Chacun choisit ce qu'il veut faire. Mais avant de choisir, demandez à Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour vous? Parce que mettons Dieu en premier. Mais ce serait intéressant, surtout dans ce temps où nous vivons, que les jeunes gens soient habiles avec leurs mains. Soient habiles avec leurs mains, travaillent avec leurs mains. Et on a l'apôtre Paul qui était un docteur de la loi. Mais quand il s'est converti, il était maintenant faiseur de tente. On a Jésus-Christ qui a travaillé comme un charpentier. Il n'y a pas de honte à travailler avec ses mains, à être un maçon, un charpentier, à être un cultivateur de la terre, à fabriquer les objets usuels qu'on peut utiliser à longueur de... Il n'y a pas de mal à cela. La plupart des jeunes aujourd'hui rêvent d'être dans un bureau climatisé, travailler avec un ordinateur à longueur de journée. Je pense que dans les temps dans lesquels nous vivons difficiles, il faut avoir des habiletés techniques. Quand il dit technique, travailler avec vos mains, être à l'aise avec bricoler les choses, parce qu'il arrivera un moment où nous chrétiens, peut-être ce ne sera pas de notre génération, peut-être ça peut aussi arriver, mais il arrivera un moment où nous les jeunes, nous les chrétiens, nous ne serons même plus autorisés à travailler dans les bureaux, à travailler, on devrait être obligé de travailler avec nos mains. Il est que quelqu'un qui a besoin de nos services, que nous soyons chrétiens ou pas, il va, imaginez-vous que quelqu'un a un problème avec sa plomberie, sa tuyauterie, sa fosse septique est remplie d'ordures, de déchets, vous êtes la seule personne du coin qui peut réparer cela, il ne va pas regarder si vous êtes chrétien ou pas. Donc, voilà une parenthèse que j'ouvre. Alors, pourquoi j'ai ouvert cette grande parenthèse? Il a dit quoi? Préférez l'instruction à l'argent. Les gens font tout dans ce monde pour rechercher l'argent. Il y a certains qui sont prêts à voler, à mentir, à tuer leurs parents, à tuer leurs enfants pour avoir de l'argent. L'argent qui périt. L'argent qui va finir un jour. Que les voleurs peuvent dérober, voler. Alors Dieu dit quoi? Préférez mes instructions à l'argent. Et la science, alors le plus précieux. Donc, à partir de lui, jeunes gens, comprenez que la sagesse de Dieu, l'intelligence divine, est plus importante que l'or, l'argent. Regardez les gens qui ont de l'argent. Et remarquez que ces gens, amis, allez dans la liste des hommes les plus riches de Forbes, du magazine Forbes, qui chaque année s'attelle à faire la liste des hommes les plus riches du monde. Dites-moi combien de vrais chrétiens il y a sur cette liste. Je dis vrais chrétiens, parce que cette liste a les pasteurs aussi, tels que Joel Osteen et autres, mais vous savez que, jeunes gens, c'est des serviteurs du diable, n'est-ce pas? Mais combien de vrais chrétiens sont sur la liste des gens les plus riches? Vous avez des pasteurs francs-maçons, des pasteurs vampires, comme j'aime à les appeler, qui ne connaissent pas Dieu, qui utilisent le nom de Dieu pour faire la magie, la sorcellerie, l'escroquerie. Vous avez les gens de ce monde, vous avez les homosexuels, les lesbiennes, vous avez les transgenres qui de plus en plus sont plus puissants financièrement. Dans les banques, le pouvoir politique, regardez même aux États-Unis, on a un homme qui est devenu une femme. Il était dans l'armée, il est devenu une femme. Et quand il est devenu une femme, on l'a promu général.
Donc, il portait le pantalon maintenant, il porte la tenue militaire avec une jupe, avec des galons. Je ne savais pas que les choses comme ça pouvaient arriver aux États-Unis. Donc, dans les grands postes au niveau de la justice, au niveau de la banque, de la politique, de la finance, de la haute finance, c'est les gens qui ne craignent pas Dieu. Ils ne font aucun cas de Dieu. Ils pensent qu'ils ont Dieu. Ils pensent qu'ils sont Dieu. Alors, regardez ce verset à nouveau. Préférez. Donc, Dieu te dit de faire un choix. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Dieu te dit, préfère, jeune homme, jeune femme, préférez les instructions de la sagesse à l'argent. Et la science, alors l'or le plus précieux, ne doit pas vous épater. Tous les trésors de la terre ne peuvent pas vous épater. C'est pour cela que, jeune homme, si tu développes cette mentalité, la femme étrangère de Proverbes chapitre 7 ne va pas te séduire avec sa belle voiture, sa Tesla, je ne sais pas numéro combien. Elle ne va pas te séduire avec les téléphones, iPhone, etc. Il y a un fléau en Afrique, des jeunes garçons qui se font sodomiser par des grands, des messieurs au pouvoir. À cause de quoi? À cause des téléphones dernier cri, à cause d'un voyage en France, à cause des bijoux, à cause d'une paire de tennis. Voilà les garçons qui se font sodomiser. Quand tu méprises l'argent, quand tu méprises l'or, jeune homme, jeune femme, le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Vous savez pourquoi le diable ne pouvait pas tenter Jésus-Christ? Jésus regardait l'argent de la terre, l'or comme de la boue. Il regardait. Quelle était la tentation suprême? Prosterne-toi et adore-moi. Je te donnerai toutes ces choses. Je donne à qui je veux. Le diable aurait pu gagner. Si Jésus ne regardait pas ces choses comme de la boue. Et je vous dis, jeune homme, si vous ne cultivez pas ce mépris pour l'argent, si vous ne cultivez pas ce mépris pour l'or, vous êtes un bon candidat à la perdition. Vous êtes un bon candidat pour le diable. Le diable sait avoir les gens avec l'argent et l'or. Alors, méprisez cela. Je ne dis pas qu'il faut cesser de travailler. Votre travail doit être pour servir Dieu. Et comment on peut servir Dieu? On peut servir Dieu en amenant par votre travail les gens à venir au Seigneur. Et je vous ai expliqué tout à l'heure qu'un jeune homme, vous qui me suivez, à partir d'aujourd'hui, ne dites plus que je travaille pour avoir de l'argent. Dites que je travaille pour glorifier Dieu à travers mon travail. Être au service de Dieu, parce qu'en étant au service de Dieu, comment je peux être au service de Dieu? Par exemple, en prêchant la parole de Dieu par mon travail. Par mon travail. Voilà. Donc, verset 11. Verset 10 à nouveau d'abord. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Voilà. La sagesse vaut mieux que quoi? Les perles. Il y a des jeunes filles qui sont prêtes à tout faire, se prostituer pour avoir les bijoux. Mais quand son cœur n'est pas attiré par ces choses, c'est une jeune fille qu'on ne peut pas séduire. Comment les jeunes filles sont séduites? Elles perdent leur virginité à 14 ans, 16 ans parce qu'elles vont avoir le téléphone dernier cri. Elle va voir la tablette, iPad. Elle va voir le dernier ordinateur. Elle va épater ses collègues, ses camarades au lycée ou à l'université avec les paires de tennis dernier cri. Elle veut épater. Alors, n'ayant pas les moyens, parce que venant d'une famille modeste, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à se prostituer, aller avec des hommes mariés. Et c'est un fléau général, non seulement en Afrique, même aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a cette expression, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas entendu parler de cette expression, l'expression « sugar daddy ». Des enfants, des gamines qui vont avec des vieillards pour avoir quoi? Un iPhone, pour avoir une tablette, pour avoir une voiture, pour avoir ceci, cela. Je répète que si vous ne méprisez pas les choses de ce monde, vous êtes un candidat pour le diable. Il va vous avoir. Que ces choses ne vous épatent pas. Si ces choses vous épatent, je vous plains. Regardez ces choses comme de la boue. Vous les ayez, ça ne vous change pas. Vous ne les avez pas, ça ne vous change pas. Que vous les ayez, ce n'est pas votre problème.
Verset 11, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Verset 12, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Voilà là où la sagesse siège. Un enfant qui a la sagesse, quand vous voyez comment il se comporte, quand vous voyez les décisions qu'il prend, vous savez qu'il y a le discernement. Il sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a un endroit où je ne peux pas aller. J'ai le discernement. Voilà le lieu où habite la sagesse. Le verset 12 nous démontre, nous révèle le lieu où habite la sagesse. La demeure, c'est l'habitation, c'est la maison. Donc la sagesse te dit ceci. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science et la réflexion. Voilà où la sagesse demeure. Jeune fille, jeune homme, avant de poser un acte, discerne, réfléchis. Ne sois pas stupide, ne sois pas insensé. Réfléchis, discerne, ouvre les yeux, réfléchis, réfléchis. Si tu n'arrives pas à bien réfléchir, va voir ton père, va voir ta mère. Si tu as un grand frère dans la foi, va voir le grand frère. Va le voir. Si tu as une grande sœur qui peut t'encourager, jeune sœur, va voir la grande sœur. Dis que je suis confronté à cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour elle va t'aider à discerner. Apprends à discerner. Verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et comme on va finir ce chapitre avec le verset 35 plus tard, on va voir que tout ce qui haïssent la science, l'intelligence, aime la mort. Quand tu n'aimes pas la sagesse de Dieu, ça veut dire que tu aimes la mort. Voilà. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Elle hait tout ce qui est mauvais. Il y a les chrétiens et les chrétiennes qui n'ont pas de mal à aller assister dans les gay parades. Les gay parades. C'est-à-dire que les défilés de il y a les chrétiens qui soutiennent l'homosexualité. Et la Bible dit en Proverbe chapitre 1 que Dieu considère quelqu'un qui supporte les homosexuels comme étant lui-même homosexuel. Peut-être tu n'es pas lesbienne, jeune sœur. Peut-être tu n'es pas homosexuel, jeune frère. Mais si tu supportes une seule seconde ce qu'ils font, Dieu dit que tu es comme eux. Dieu dit que tu es comme eux. Donc voilà. Ayons la haine de tout ce qui est mal. Aujourd'hui, les gens aiment le mal. Ils sont ennemis des gens de bien. Ils n'aiment pas le bien. Ils n'aiment pas la sagesse de Dieu. Ils sont portés vers ce qui est mal. Ils aiment le mal. Aujourd'hui, aux États-Unis, ce sont les héros, les agitateurs, ceux qui vont dans la rue casser, brûler. C'est eux qui sont les héros. Incroyable. Vous qui faites le bien, vous devenez un criminel. Vous qui aidez les autres, qui faites le bien, qui croyez en Dieu, vous devenez criminel. Mais aux États-Unis aujourd'hui, quand vous êtes bruyant même, voyou, gangster, you are a hero. Vous êtes un héros. Donc la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que j'ai. Dieu, par sa sagesse, dit ce qu'il est. Il est quoi? Les gens arrogants. Les gens qui se vantent. Comme je disais l'autre jour, tu peux avoir reçu de Dieu une grande intelligence, d'être premier à l'école, ne te vante pas, tu n'es rien. Non, n'aie pas fait l'orgueil. Et la bouche perverse, c'est-à-dire la bouche qui dit les mauvaises choses. La bouche qui sort des choses malsaines. Des choses stupides qui sortent de la bouche. Verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Ouais. Je ne pense pas que ce verset s'applique encore aujourd'hui. Peut-être que ce verset s'applique au temps de Salomon, du roi Salomon, du roi David. Mais vous pensez que les rois aujourd'hui que nous avons, les gouverneurs, les présidents, les rois que nous avons aujourd'hui, c'est par la sagesse qui règne. C'est par l'intelligence de Dieu qui règne que les princes ordonnent ce qui est juste. Pas du tout.
Ça veut dire que nous vivons la fin des temps. Il y a eu des cas où, même dans la Bible, même des rois tourmentés, païens, impies comme Nebuchadnezzar, à un moment, Dieu mettait en eux le bon sens et la sagesse. Mais aujourd'hui, regardez tout ce qui se passe à travers le monde avec cette pandémie, avec ce venin du dragon qui est imposé aux gens à travers le monde. Le bon sens a fui nos dirigeants. Mais ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas une raison, ce n'est pas une raison de leur manquer du respect, de les mépriser. Nous devons prier pour ces autorités. Bien des fois, c'est difficile, je l'avoue. Moi-même, je l'avoue, ça peut être difficile. Mais nous devons faire un effort. Verset 16. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Et nous voyons comment Dieu a établi sa sagesse pour qu'elle contrôle les décisions des grands, des autorités de cette terre, les juges, les princes, les rois. Et c'est pour ça qu'il y a ce verset qui dit que la main du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Le cœur du roi, ou même d'un juge, est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline là où il veut. La terre... Non, avant de continuer, lisons encore le verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et tous ceux qui me cherchent me trouvent. Donc, Dieu dit que ceux qui aiment sa sagesse sont aimés de lui. Et ceux qui cherchent la sagesse vont la trouver. Donc, jeune homme, à partir d'aujourd'hui, ta préoccupation doit être de chercher la sagesse. Verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire. Quelle richesse? L'or, l'argent et le trésor de la terre? Non, la richesse du ciel. Avec moi sont la richesse, c'est-à-dire la vraie richesse et la vraie gloire, les biens durables et la justice. Est-ce que l'or est un bien durable? Non. Un bien durable, c'est un bien que vous avez pour l'éternité. À supposer même que vous avez votre lingot d'or jusqu'au jour de la mort. Mais après votre mort, il ne vous appartient plus. Donc, ce n'est plus un bien durable, n'est-ce pas? Un bien durable, c'est celui que tu as pour l'éternité. Donc, faisons tout pour rechercher les biens que nous aurons jusque dans la vie éternelle, jeunes gens. Verset 19, « Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. » Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Et nous, chrétiens, nous ne désirons pas les trésors sur cette terre. Allez lire Matthieu chapitre 6 attentivement, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ nous dit de ne pas nous amasser les trésors sur cette terre. Donc, quand nous, chrétiens, nous lisons ce verset, nous comprenons qu'il s'agit des trésors spirituels que Dieu emmagasine pour nous au ciel, qui nous précèdent au ciel. Donc, verset 20 nouveau, je marche dans le chemin de la droiture, au milieu des sentiers de la droiture. Plutôt, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Nous commençons ce que j'anticipais. J'étais vraiment... j'avais hâte de commencer à vous montrer la géographie divine. Et nous commençons à partir du verset 22. Dieu montre qu'il a créé en première position quoi? La sagesse. Donc la sagesse est avant toute autre création. Toute autre création. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant les œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Voilà la sagesse. D'où elle vient, ses origines. Verset 24, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source d'eau. Et je vous recommande, jeunes gens, d'aller suivre l'étude approfondie de Genèse, verset après verset. Suivez cela, surtout le tout premier chapitre, vous allez comprendre de manière approfondie ce verset 24. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermi, avant que les collines existent, je fus enfanté. Regardez comment la sagesse a été la première création de Dieu. Verset 26, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. J'ai découvert
la parole de Dieu, j'ai commencé à la lire après avoir fait mes premiers cours de chimie. J'étais émerveillé de découvrir dans la Bible qu'il y a le mot atome. Et il y a plusieurs années, pas plusieurs années, je voulais dire plusieurs milliers d'années, Salomon connaissait déjà ce que c'est un atome. Qui peut voir l'atome avec les yeux? Personne. L'atome, c'est quoi? Regardez un grain. Je vais vous expliquer ce que c'est un atome pour ceux qui ne sont pas encore arrivés au niveau où ils font la chimie. Prenez un grain de sable. Prenez un morceau de sucre. Écrasez-le. Et une fois que vous l'avez écrasé, prenez un grain, presque invisible de sucre. Juste là, vous n'avez pas encore l'atome. Prenez le grain. Je ne sais pas si vous, comment vous allez même arriver à prendre un grain de sucre. Mais si vous arrivez à prendre un grain de sucre et friter ce grain, il n'y a plus rien. Mais ce grain a plusieurs atomes. Si ça ne vous épate pas, jeunes gens, moi je suis épaté. Il n'y avait pas encore des microscopes. Il n'y avait pas encore des équations de chimie. Mais Salomon parle d'atomes. Le premier atome. On ne peut pas voir un atome à l'œil nu. Ce n'est pas possible. C'est la composante la plus infime de la matière. Je n'étais pas bon en chimie, mais je suis surpris que par la grâce de Dieu, je peux vous expliquer ces choses comme cela. Il n'y a que Dieu qui rend intelligent. Pourtant, ces cours de chimie, ça ne me disait rien. Moi, j'aimais la littérature, la philosophie. J'aimais ce qui est abstrait. Le concret, je n'aimais pas. J'aimais vivre dans la réalité métaphysique. Et aujourd'hui, je vais dénoncer la métaphysique de Facebook, de Zuckerberg, parce que Dieu m'en a délivré. Donc je faisais des réflexions dans l'abstrait, dans la métaphysique. Alors, l'atome, regardez ce qui est intéressant. Dieu, par Salomon, monte. Et je vous disais, jeunes gens, en commençant, en introduction ce cours, que Salomon avait demandé à Dieu une chose, la sagesse. Imaginez-vous, Dieu parle à quelqu'un, Dieu dit, qu'est-ce que tu veux que je donne? Aujourd'hui, les gens vont dire à Dieu, Dieu, je t'en supplie, donne-moi un mois, je vais réfléchir. Donne-moi un mois, sois patient avec moi, je vais réfléchir. Il va réfléchir, il va commencer. L'avion de Donald Trump, là, c'est même encore quelle marque? 747. Non, moi, je veux 874. Il va voir Jeff Bezos, sa capsule qui va à Mars, là, c'est quoi? Ça s'appelle comment? SpaceX? Non, moi, je vais avoir Univex. Donc, ils vont commencer à réfléchir. Toutes les richesses de la Terre. Maintenant, toutes les femmes de Rihanna et autres là, est-ce que tu peux m'envoyer encore quelques-unes, etc., pour que j'ai les femmes les meilleures? Regardez un peu. Ça peut vous faire sourire, certains d'entre vous sont en train de sourire. Mais c'est vrai, c'est la nature pécheresse. Si Dieu disait à quelqu'un parmi vous, mais je suis sûr que vous qui suivez cet enseignement, vous allez faire comme Salomon dit, Seigneur Dieu, ce monde n'est rien. Rien ne me plaît dans ce monde. Si je peux avoir une maison où dormir, à manger à ma faim, avoir de quoi être au service des autres, avoir ma famille, le monde ne me... Donne-moi tout simplement la grâce de te connaître, d'avoir ta sagesse et d'aller au ciel. Salomon, c'est ce qu'il a fait. Il a demandé la sagesse. Et vous savez quoi? Dieu lui a donné tellement de sagesse au point où, dans la Bible, des milliers d'années, avant de fabriquer le microscope, les scientifiques, les Descartes, Newton et autres, ils ont commencé à découvrir l'atome quand? Récemment. Allez faire les recherches. C'est récemment qu'ils ont, au Moyen-Âge, même à la sortie du Moyen-Âge, ils ont commencé à découvrir l'atome. Pascal, le français Pascal, l'anglais Newton et autres, c'est là où ils ont commencé à découvrir l'atome. Mais Salomon parle de l'atome. Oh, notre Dieu est merveilleux. J'aime dire ces choses. Et jeunes gens, ça doit vous faire comprendre que ces hommes-là ne sont pas intelligents. Si vous faites cette démonstration à votre professeur un jour, je pense que s'il est sensé, il va vous donner 20 sur 20. Alors, c'est tellement merveilleux que j'ai même perdu là où nous étions. Je ne sais pas. Bon, voilà, je me retrouve, voilà. Verset 26, c'est vraiment merveilleux. Je reviens encore sur cette histoire d'atome qui m'émerveille. Et pour ceux qui ne le savent pas,
La bombe atomique. Dans la bombe atomique, il y a quoi? Il y a atomes. Donc, Salomon connaissait déjà les éléments de base, même jusqu'à la bombe atomique, avant des milliers d'années. C'est vraiment incroyable. Donc, ne pensez pas que la parole de Dieu, c'est pour les fous. Ne pensez pas que la parole de Dieu, c'est pour les insensés. C'est là où il y a la vérité. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, je vous montrais un passage. Proverbe chapitre 6, à partir du verset 6, où il est dit « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies, devient sage, n'en est chef, etc. Elle prépare sa nourriture en été. » Qu'est-ce que je vous démontrais? Que quelqu'un que j'appréciais dans mon cursus au lycée de philosophie et de littérature, Jean Lafontaine, un célèbre écrivain français, un poète de renom, devenu chrétien. Mais j'étais choqué en apprenant qu'il a fait le plagiat de Proverbe chapitre 6, à partir du verset 6. Alors, relisons le verset 25, nous retournons au chapitre 8, le chapitre du jour, Proverbe chapitre 8, verset 26, relisons. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière de la terre. La poussière. Qui peut me montrer un grain de poussière? Donc, il l'a dit bien, le premier atome de la poussière du monde. Le premier atome. Voilà. Le premier atome de la poussière. Imaginez-vous que vous mettez le doigt au sol. Il y a la poussière. Cette poussière, vous la touchez, c'est... Peut-être vous saurez que c'est la poussière parce que c'est... Vous voyez la couleur de la poussière sur vos doigts. Mais dans cette poussière, il y a des atomes invisibles. J'ai du mal à partir de ce verset parce qu'il m'émerveille. J'espère que vous êtes aussi émerveillé par ce verset. Donc la connaissance, même scientifique, vient de Dieu. Et si les hommes étaient honnêtes, ces grands scientifiques qui reçoivent les prix Nobel d'économie, les prix Nobel de sciences, de médecine, s'ils étaient honnêtes, ils reconnaîtraient que leur intelligence leur vient de Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est eux qui sont athées. Athées signifie qu'ils ne croient pas en Dieu. Comme Stephen Hawking. Un homme qui était bien portant, qui a commencé à renier Dieu, à insulter Dieu, à dire qui est Dieu. Il a été frappé de paralysie au point qu'il devait parler à travers une machine. Stephen Hawking. Il faisait des recherches pour voir la voie lactée. Je ne sais pas, le Big Bang, l'origine de l'univers. Tu ne sais même pas comment l'enfant se forme dans le ventre de la mère. Tu ne comprends même pas encore ces mystères. C'est aller la voie lactée que tu vas aller chercher. Incroyable. Et des gens comme ça, il était un athée. Et ce qui me surprend, c'est que il était reçu par les grands de ce monde et même par le pape. Il allait se prosterner devant le pape et c'est la raison pour laquelle vous comprenez que le pape est du diable. Il n'est pas de Dieu. Un homme qui renie Dieu, qui insulte Dieu, qui dit que Dieu n'existe pas, il dit que qui est Dieu? Il parlait au travers d'une machine que lui-même aurait inventée. Ce qu'il ignorait avant de mourir, puisqu'il est mort, c'est que la sagesse qu'il avait par laquelle il faisait des équations interminables sur tous les murs de sa maison étaient des tableaux. Il faisait toutes sortes d'équations. L'intelligence venait de qui? Même le souffle, parce que votre souffle appartient à qui? À Dieu. Vous, dont le souffle vient de Dieu, vous dites que Dieu n'existe pas. Donc, il n'y a pas plus stupide, plus insensé que quelqu'un qui pense qu'il est plus intelligent que Dieu. Donc, continuons avec notre cours de géologie. Pas de géologie, notre cours de géographie céleste. Verset 26 à nouveau. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, le premier atome de la poussière du monde. Verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Donc, quand Dieu disposa les cieux, qui était là? La sagesse. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Pour vous qui faites des études, qui êtes encore à l'école, qui avez encore la mémoire fraîche, il y a un grand cercle qui entoure la Terre. Comment s'appelle ce cercle? L'équateur. Voilà. C'est biblique. C'est dans la Bible, jeunes gens. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme,
un cercle. Et vous savez quand est-ce que l'homme a compris qu'il y a, qu'il, l'équateur existe? C'est récemment, allez faire les recherches, quand est-ce qu'on a découvert l'équateur autour de la Terre? Ce cercle qui entoure la Terre. Salomon connaissait déjà ça. Verset 28. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, avant de continuer, le verset 29 est merveilleux. Regardez la mer. Les vagues, les eaux mugissent, surtout quand la marée est haute. La mer ne traverse pas la ligne. Vous n'avez jamais remarqué cela? Elle ne traverse pas la ligne. Même si la marée est haute. Ça veut dire que quand la mer traverse la ligne, c'est que Dieu en colère, il veut punir le monde, comme il a fait avec le grand tsunami au Japon. Il y a les marées hautes, les marées basses. La mer a une limite. Vous voyez bien le sable au bord de la mer. Vous voyez la limite qui est bien tracée. Donc, Dieu a fixé tout. Comment ne pas adorer un grand Dieu? Si quelqu'un jour veut vous dire que veut vous convaincre en vous disant que Dieu n'existe pas, veut vous amener à être athée, priez pour cette personne. Priez pour cette personne. C'est la plus grande imbécilité qui soit dans la race humaine de dire que Dieu n'existe pas. C'est mieux encore de dire que, ok, moi je suis pécheur, Dieu existe, que Dieu me fasse grâce d'être délivré du péché, reconnaître que l'on est pécheur, mais de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Nous-mêmes les hommes, nous pouvons devenir des dieux. Dieu n'existe pas. Le monde a été créé par un Big Bang. Entre-temps, le petit souffle que tu as là, si Dieu coupe seulement la source de ce souffle, tu es mort. Verset 29 à nouveau, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux d'en haut n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, est-ce que vous savez qu'il y a les fondements de la terre? Mais quand nous voyons la terre, on a l'impression que la terre est suspendue dans le vide. On a l'impression que la terre est suspendue dans le vide. Et nous allons découvrir quelque chose que Galilée, le grand savant, a découvert. Et je pense, si je ne me trompe pas, que Galilée a été mis au bûcher, c'est-à-dire condamné à être brûlé au feu, parce qu'il disait que la terre est ronde et non plate. Et vous allez voir tout à l'heure comment Salomon a te dit que la terre est ronde. C'était une folie à l'époque. Et récemment, c'est récent au Moyen-Âge. C'est au Moyen-Âge que quelqu'un comme Galilée a choqué le monde entier en disant que la terre n'est pas plate, parce que les hommes, ils vont à chameau, ils vont sur les chevaux, ils marchent, ils trouvent que la terre est plate. Galilée est venu, Galilée dit, cette terre n'est pas plate. On a trouvé que Galilée était un sorcier, Galiléo, en français on dit Galilée. On a trouvé que Galilée était sorcier, et si mes souvenirs sont bons, mes souvenirs d'histoire, je trouvais l'histoire ennuyante, donc si mes souvenirs sont bons, Galilée a été condamné à être brûlé au bûcher. Parce qu'il déclarait que la terre est ronde. Qui a inspiré Galilée que la terre était ronde? Où as-tu eu ce secret? Mais vous allez voir qu'ici, Salomon révèle cela. On peut faire plusieurs jours sur ce chapitre, mais nous devons être succincts. L'essentiel, c'est ce que vous devez retenir. Donc, et qu'est-ce qui est derrière? C'est la sagesse de Dieu qui était derrière cela. Donc, recherchez cette sagesse, jeune homme. Donc, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais... Voilà donc, les fondements de la terre. Revenons un peu sur les fondements de la terre. La terre, beaucoup de gens pensent que la terre est suspendue. Qu'elle tourne. Nous venons de voir que la terre a des fondements. Mais ils sont invisibles. Donc, les Jeff Bezos et autres, je pense qu'il faut, s'ils veulent faire des recherches stupides, qu'ils aillent voir les fondements de la terre. La terre n'est pas ce globe qui tourne, qui orbite dans l'espace, la terre des fondements, mais personne ne peut les voir. C'est Dieu seul qui les voit. C'est Dieu seul qui les voit. Donc, lorsqu'il plaça les fondements de la terre, donc fondements, ça veut dire que c'est ce qui soutient la terre. On a l'impression que la terre est suspendue dans l'espace. Non, la terre a des fondements, mais invisibles. Aucun homme ne les verra, mais Dieu nous révèle qu'il y a des fondations. Une maison des fondations, n'est-ce pas? Le monde que nous allons voir qui est rond, dans quelques instants,
a les fondations. Voilà la géographie de Dieu que vous êtes en train d'apprendre. Aucune université ne vous apprendra ce que vous êtes en train d'apprendre ce soir. Aucune université. Alors, j'étais à l'œuvre, la sagesse continue à vous révéler les choses. La sagesse nous révèle ce qu'elle faisait auprès de Dieu. Elle nous a révélé d'abord qu'elle était la première de toutes les créations de Dieu. Alors, il a dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui, de Dieu, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre. Voilà la révélation. Souligné, jouant sur le globe de la terre. Voilà ce qui a amené des gens comme Galiléo à être tués, mis à mort, brûlés sur le bûcher. C'est-à-dire qu'un amas de bois, on met le feu, on le brûle, on l'attache, on le brûle, parce qu'il a commis un blasphème. Et c'était quand? C'était il y a peut-être 600 ans. La moitié de 1000 ans. Mais seulement des milliers d'années avaient ce qu'aucun sage, même les Égyptiens ne savaient pas que la terre était ronde. Salomon savait. Jouant sur le globe de la terre. Le globe. Un globe, c'est quoi? Comme par exemple le globe que mes enfants utilisent pour localiser certaines villes ou des pays. C'est un globe. On peut tourner ce globe-là. Le globe. C'est rond. Alors qu'à l'époque de Salomon et jusqu'à Galilée qui a eu la révélation, les gens pensaient que la terre est plate. C'est merveilleux. Terminons, mes frères et sœurs. Verset 31. Jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voix. Heureux! Heureux! Et si votre cœur n'est pas joyeux en écoutant ces choses, c'est que vous ne voulez pas voir la sagesse comme ami, comme sœur, et avoir l'intelligence comme ami. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui observent mes voix. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Écoutez verset 33, écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Verset 34, malheureux, c'est ça? C'est ça que vous lisez? Malheureux l'homme qui m'écoute, c'est ça? Non! Il a dit quoi? Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes. Donc, veillons aux portes de la sagesse. Appelons la sagesse au secours. Appelons la sagesse. Notre ami. Notre ami. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui trouve la sagesse a trouvé quoi? La vie. Et nous avons la sagesse qui s'est faite chair, qui est venue sur terre. C'est Jésus-Christ. La vie éternelle a la sagesse. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui fait quoi? Qui pêche contre moi, nuit à son âme. Donc celui qui pêche contre la sagesse, quand tu pêches, jeune homme, jeune femme, tu ne fais pas de mal à autrui. Tu ne fais pas de mal à celui que tu mens, à celui que tu veux tromper. Tu pêches, c'est comme si tu prenais un poignard pour te poignarder toi-même. Tu fais du mal à toi-même, à ton âme. Mais celui qui pêche contre moi, nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort, voilà. Tous ceux qui me haïssent font quoi? Aiment la mort. On a vu au verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Vous aimez l'Éternel, vous craignez l'Éternel, aimez le mal. Mais si vous haïssez la sagesse, c'est-à-dire le bien, vous aimez la mort. Prions, jeunes gens. Éternel Dieu, mon cœur est rempli de joie, tressailli d'allégresse pour ces grandes révélations que j'ai partagées avec ces jeunes gens. Oh Seigneur Dieu, que ta parole contient des révélations insondables, immensément grandes. Merci Seigneur Dieu pour cet enseignement qui augmente à nous l'amour pour toi, l'amour pour la sagesse. Seigneur Dieu, donne-nous d'appeler la sagesse de notre sœur, d'appeler l'intelligence de notre ami, de veiller constamment aux portes de la sagesse, de diriger nos vies selon les préceptes de ta parole. Merci pour notre transformation, la transformation de ces jeunes gens. Au nom de Jésus-Christ, amen.
PV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.